Nils Schneider et Virginie Efira sont en couple depuis 6 ans et filent toujours le parfait amour. D'ordinaire discret à propos de leur relation, l'acteur de 37 ans a évoqué son amour avec celle qu'il considère comme son âme sœur. Une déclaration qui risque de faire beaucoup de jalouses. En couple depuis 2018 avec Nils Schneider, rencontrée lors du tournage du film Un amour impossible, Virginie Efira est devenue maman d'un garçon prénommé Hiro, né le 28 août 2023 à Paris. Interviewé par nos confrères de Madame Figaro, l'acteur qui a remporté le César du meilleur espoir masculin pour son rôle dans Diamant Noir est revenu sur ses idylles passées avant de terminer par son histoire d'amour avec l'actrice du film 20 ans d'écart. Très romantique, il raconte, quant à l'amour, au vrai, je me souviens d'avoir été subjugué enfant par une Gabrielle. J'étais très timide, et comme je savais où elle vivait, je m'arrangeais pour marcher sans mettre devant elle après l'école pour semer des petits mots sur lesquels j'avais écrit des poèmes. J'espérais qu'elle les ramasse, mais je revenais sur mes pas et mes déclarations n'avaient pas bougé. Passant ensuite à son ex lorsqu'il était adolescent, il explique, « J'ai ensuite connu mon premier amour adolescent, celui qu'on imagine éternel. Elle s'appelait Mylène et notre relation, extrêmement forte et passionnelle, a connu son lot de larmes, de ruptures et de retrouvailles. On avait l'impression de ne pouvoir vivre ni avec ni sans l'autre. Aujourd'hui, je ne cours plus après ces sensations fortes parce qu'on était finalement très immature à ce moment-là. » Virginie Efira, son histoire d'amour la plus forte après ses relations chaotiques, il en vient à Virginie Efira, qui était déjà maman d'Ali, fruit de son amour avec le réalisateur Mabrouk qu'elle m'écrit, au moment de leur rencontre, avec des mots dignes des plus beaux films d'amour. En grandissant, on ne reproduit pas les mêmes erreurs. On sait ce qu'on recherche et cela nous amène à des liaisons beaucoup plus profondes. Ma relation actuelle a tout du premier amour, j'ai l'impression que toute ma vie m'a conduit à cette histoire-là, qui s'avère être la plus forte, a-t-il conclu. Une magnifique déclaration d'amour qui a sans doute dû faire énormément plaisir à la principale intéressée.